maintenant continuer dans la grâce et la magie, puisque nous accueillons deux acrobates. D'elle, une chenille qui devient papillon après la chrysalide. Elle prend son envol, espérant atteindre les cimes de la finale. C'est beau ce que tu dis, mais c'est long, hein. Merci. Voici donc les bien nommés chrysalides. Leur numéro, c'est le 3. Bonjour, moi c'est Stéphanie, j'ai 21 ans. Ça fait 7 ans et demi que je fais du canapé synchronisé. J'ai un parcours plutôt atypique puisque j'ai pas commencé toute petite comme les autres. Moi j'ai eu un accident de vélo et j'ai donc dû faire une longue session de rééducation. Et là j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Joubert, qui est un spécialiste de la rééducation pour canapé synchronisé. Et puis rapidement, il m'a dit « Steph, t'es vachement doué pour le canapé synchronisé. » Alors, il m'a présenté à Stéphanie et puis bah, depuis, ça match. Ça match. Ouais, ouais, ouais. Bon drapé. Tu secoues bien. Ouais, descente assez ouverte, ouais, c'est bon. Bonjour, du coup je m'appelle Stéphanie, je suis pratiquante de canapé synchronisé pour la Fédération Samielloise de canapé synchronisé. Mon parcours est un peu atypique, du coup j'ai fait l'UFR STAPS à Argelès-sur-Mer, management du sport, et je me suis assez vite rendu compte que je préférais la pratique à la théorie, ce qui m'a fait tourner vers cette discipline-là. Voilà, moi je suis tout à fait engagé. Je dis de moi-même que c'est plus une obsession qu'un talent. Voilà, et grâce à Cédric Joubert, je peux me donner à fond dans cette discipline. J'ai rencontré Stéphanie en 2017 et Stéphanie en 2018. J'ai tout de suite pensé qu'elle pouvait former une équipe assez étonnante, mais de qualité, et proposer des numéros plutôt novateurs. Je suis par exemple très très fier de leur duo Chrysalide, un duo qui s'articule autour du thème de la Renaissance, inspiré de leur vie personnelle. Je pense que c'est un symbole de leur rencontre. Comme vous savez, je suis également président de la Ligue et entraîneur de l'équipe de France, et je travaille, on travaille très dur pour arriver au niveau national et même international, pourquoi pas. C'est vrai qu'on est sur une discipline qui est très exigeante, mais je pense qu'elles ont ce qu'il faut pour aller assez loin. Elles ont une belle complémentarité, très très intéressante. Stéphanie est plus sur le physique, alors que Stéphanie, elle est plus sur le mental. Elle s'épaule, elle s'entraîne, elle s'entraide. C'est vraiment beau à voir.